Chers amis, bonjour. Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube du Darna Blog. Je vous retrouve aujourd'hui pour une véritable avant-première mondiale, car en tant que membre du réseau Chicha.com, j'ai eu l'honneur de me voir confier un exemplaire du tout nouveau iOS 2.0 de la marque Square. C'est vraiment un honneur que nous fait Square, puisque je pense que le iOS première version a été l'un des produits les plus contrefaits au monde. C'est incroyable le nombre de contrefaçons qui ont vu le jour sur le marché. Néanmoins, nos amis américains nous ont fait le plaisir de nous confier un exemplaire pour, en avant-première et pour le public français, faire une petite review de ce produit. Alors, le iOS 2.0. J'ai pris un iOS première version pour que vous puissiez comparer les deux appareils. Première chose qu'on va constater, c'est qu'il y a une différence de taille. Le iOS 2.0 est plus compact. Il va avoir la même batterie, la même puissance, mais néanmoins une taille un petit peu plus resserrée qui va permettre une transportabilité, si je puis m'exprimer ainsi, qui va être améliorée. On retrouve un certain nombre d'éléments communs entre les deux iOS, puisque vous voyez la même pipe qui garde la même dimension. À l'intérieur, on va retrouver le même système de joints. Ce sont toujours les mêmes cartouches qui restent compatibles. Et vous allez également pouvoir le constater, ce sont toujours les mêmes chargeurs qui sont utilisés, vous voyez, pour recharger le iOS 2.0 et la première version. Donc finalement, en termes de changement, on a un changement de taille, un changement de coloris, mais bien entendu, ce n'est pas tout. Pour parler de iOS 2.0, il faut de l'innovation. Et comme d'habitude chez Square, l'innovation est encore une fois au rendez-vous. Alors, il va falloir ici que vous regardiez la petite bague qui est située sur l'arceau principal du iOS. On va retrouver trois chiffres, 1, 2 et 3, qui vont correspondre à trois positions. Ces trois positions, elles vont vous permettre de régler le volume de fumée, c'est-à-dire plutôt le volume d'air aspiré avec votre iOS. Avec la position 1, on va avoir un airflow qui va être plus difficile, qui va être plus resserré, il va demander plus d'aspiration. Vous allez pouvoir choisir une position intermédiaire en posant d'un simple clip comme ça, donc sur le 2, hop, la position intermédiaire, et on a une troisième position qui va correspondre à un airflow encore plus léger. Le but de la démarche pour Square, c'est de fournir à chacun la possibilité de régler, d'ajuster l'airflow, donc que vous aimiez entre guillemets les chichas qui résistent. On va prendre une comparaison, les Rael Mamoun avec un débit qui demande de la force d'aspiration. Ou que vous aimiez des fumeaux ou les narguilés munis de diffuseurs, à ce moment-là, vous mettez la troisième position. Chacun va pouvoir en fait régler à sa guise le débit de fumée. Hop, donc un petit test. Là, il s'agit donc de la position 1. Donc ça me demande plus d'effort lorsque je veux produire la fumée. Si je mets la position 3, là tout de suite ça va se révéler beaucoup plus léger.
On a également une modification du bruit. On sent que le passage de l'air est plus aisé et plus intense. Et dans les deux cas, donc, ça produit tout autant de vapeur. Mais vous avez vraiment la possibilité de régler selon votre goût, selon votre envie, le débit d'air et le débit de fumée. Ajoutons que ce produit va être commercialisé à un tarif beaucoup plus intéressant, beaucoup plus abordable que l'IOS première génération. Bien entendu, le but pour nous étant de concurrencer tous les contrefacteurs qui essayent de copier le produit original. Et également un produit qui bénéficie toujours, comme tous les produits Square, d'une garantie d'un an. Je ne peux pas vous montrer le packaging de ce iOS 2.0 puisque à l'heure où je vous parle, il est encore tenu secret pour éviter justement que les contrefacteurs puissent copier tout de suite le produit. Mais c'est quelque chose que vous allez donc pouvoir retrouver très prochainement dans notre boutique en ligne. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.